C'est une maison marocaine. Là, on fait beaucoup, tout ce qui est marocain. On a importé notre culture. Vous ajoutez. Maintenant, j'ai dans la cuisine un peu d'aubergine. Ça aussi, c'est très bon. Hammam marocain, salle de la vapeur. En même temps, ici il y a soin de corps avec soin de visage et soin de cheveux avec les soins de lèvres aussi. Ici c'est très beau pour la santé et c'est très beau pour le corps aussi. La maison Fatma la marocaine offre un paquet de hammams dont le corps et l'esprit ont besoin. Il y a 7 types d'hammams qui sont pratiqués au sein de son entreprise. Pour les femmes qui désirent faire le hammam, c'est Asmaï qui s'en occupe. Et moi, je fais le hammam pour les hommes. Quand tu es trop fatigué ou que ton corps est vraiment sale, on te recommande le hammam pour que ton corps puisse bien respirer. C'est un docteur silencieux. Ça lutte aussi contre le stress. Offre un verre de thé. Ça, il est bien après le final. Souvent à Maison Fatma, il y en a beaucoup de choses marocaines, il y en a hammam marocain, il y en a des plats marocains, il y en a tous les plats marocains, il y a beaucoup de trucs. On est fiers de voir une place ici comme ça. Et je leur souhaite bonne chance et bon courage. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oui, je fais le pédicure, je fais le hammam, je fais un massage. C'est bien, je m'amuse bien. C'est une maison Fatma, la marocaine. C'est pas un restaurant, mais c'est une maison. Là, on présente des tagines marocains. On présente des services marocains comme la meria, comme le gafet, c'est-à-dire les traditions marocaines pour les mariages. Aussi, on présente les salons marocains, la décoration marocaine comme les théières, les plateaux marocains. Alors nous, le principe, c'est d'importer notre culture et l'atmosphère marocaine ici. C'est ça l'objectif. Quand il y a un Marocain qui va venir ici, il va se sentir chez lui. Il va se sentir chez sa maman, chez la tante ou bien la sœur. C'est ça l'objectif. Franchement, j'ai choisi le Mali parce que le peuple, il est très gentil. On ne trouve pas de difficultés à s'adapter. Le Malien, comme personne, il est gentil, il est très doux, tu trouves pas de, il est très éduqué. Tu te sens ici comme le Maroc. Comme chez nous, hein, la famille marocaine, tu trouves soit au Sénégal, soit la Chine, soit aux États-Unis, soit à Bamako, soit n'importe où, tu trouves une famille marocaine ou bien une maison marocaine, tu vas trouver les plantes marocaines, comme le nénéré, comme le shiba, comme c'est des trucs pour le thé, comme des huiles essentielles. Tu vas trouver le salon marocain, tu vas trouver l'aspect marocain. Nous, on emporte avec nous. Là où on est, tu vas trouver qu'il y a avec nous notre culture. Un peu de tout ce qui est Maroc, tu peux trouver ici. Ici, dans le normal, il y a des Maliens, il y a 5 Maliens et il y a 3 Marocaines. Et parfois, on allait aussi, il y a une fête, ou s'il y a un mariage ou bien une festivité, on va jusqu'à 20 personnes. Mais toujours, il y a des gens autour de moi. Bien sûr, des Maliens comme des Marocains. La population malienne, elle est très gentille. Même moi, quand je pars au Maroc chez moi, je passe un mois et j'ai dit non, il faut que je retourne. Je ne sais pas comment moi je retourne ici. Comme je te dis toujours, il y a quelque chose spirituel ici à Bamako. Tu pars et tu reviens. Tu ne sais pas comment tu reviens ici. La vie en général ici à Bamako, c'est trop cher. Pour l'électricité comme pour le loyer. Si tu vis juste le normal, il faut payer.
il faut payer. Même l'oxygène, il faut payer. Parce que parfois, il y a les moustiques, il faut un budget pour les moustiques, il faut un budget pour l'air, il faut un budget pour les légumes. On ne trouve pas les épices, on ne trouve pas beaucoup de choses. Mais on fait aller, on s'adapte avec le petit que nous avons. Non, alhamdoulilah, on est très respecté par les gens ici, par l'administration, par... Non, alhamdoulilah, on ne trouve pas de problème. Ici, je suis chez moi. Même je suis gâtée. Je fais vraiment comme une princesse ici chez vous. Ça coïncide avec la Coupe du Monde. La maison était très pleine avec les Marocains, avec les Maliens aussi qui supportent notre équipe. On va pas rater cette occasion. On est avec notre équipe. On est là. On soutient notre entraîneur, M. Greggy.